Kira. Oula, oh. Tunnel, oh, maintenant, d'accord. Arbre ancien, 1. Oh, tiens, c'est intéressant ça. Ça va, Kira? Ce sont les arbres autour de nous, ne sentez-vous pas comme c'est vos sens moins aiguisés comme endormis? Ces arbres freinent les énergies magiques, mais dans l'ordre, les bien conservés, les vôtres sont réduits tant que nous serons en proximité d'eux. Ce n'est qu'un heureux effet secondaire. De toute manière, un soupçon d'humidité ne peut. Oh là là. Faut compter que sur autre chose que nos pouvoirs, Kara. Est-ce que je peux. A mon avis, cet arbre ancien peut m'aider. Gain d'influence auprès de 100 des Kara. Alors, oui, les gains d'influence, ça va permettre. Je le redis à chaque fois sur les quêtes personnelles de chacun d'en apprendre un peu plus. Est-ce que je peux aller voir l'arbre ancien avant de m'aventurer vers cette grotte? Ah, le bosquet du crépuscule. Ah ah, mais c'est là où je dois aller. Il y aurait une personne. Pourquoi n'as-tu pas encore honoré ta part du marché? Mais. What? Quels étaient. Je fais un bleu. Je ne suis pas l'orne. Et voilà comment ruiner un excellent stratagème. Oh, vous êtes celui en qui j'avais déguisé. Quoi? La poudre de métamorphose et un précédent de l'autre précédent. What? L'orne et ses hommes sont rendus précipités avec. C'est très conscient, vous voulez aller au village tuer des habitants pour tenter de vous faire accuser du crime, je suis apparu. Vous l'avez dit. Je vois. J'ai proposé à l'homme de guiser en lui et ses hommes en échange de la pierre philosophale qui se trouve au-delà de la clairière. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Récupérer cette poule constituerait une preuve de plus. Avez-vous davantage de cette poule? Pouvez-vous me la céder? Pourquoi le cèdre qui a gagné un marché? L'eau qui nourrit les arbres de ce bois est corrompue par une pierre philosophale. Un des hommes de l'ordre était supposé me la ramener. J'ai prévu que les villageois, mais ils ont profité. Attends. Elle appartient aux gobelins. Vous n'êtes donc pas qu'un simple d'esprit, non plus une. Non, Sand, il va falloir que t'arrêtes d'être con. On n'a plus rien à faire. Je n'irai nulle part, vous allez me donner cette poudre. Vous allez me menacer? Ouais, je te menace. Oh, je vais te péter la bouche. Oh, je vais te péter la bouche, toi. En viens. Et t'es où, Alissa, là? Voilà. Ça suffit d'être débile. Hop, je prends ça. Toi, le sanglier. Alors, Sand, c'est quand tu veux. Hein. Je tiens à te le dire, Sand. Si tu pouvais arrêter d'être débile. Merci. Kara. Bon. Voilà. Tu vois, Sand, on a de la poudre. Je prends ça. Je vais me mettre toute la forêt à dos. J'en ai rien à faire. Puis en plus, on est un petit peu trop fort, les gars. C'est bon. On a tué toutes les créatures magiques et débiles du monde. De Dieu. Alors attends. On m'a dit qu'il y a un arbre ancien qui doit être juste devant moi. Oui, il est devant moi, cet arbre. Alors, voyons voir. Ah, poudre de métamorphose. Examinez. Ah, c'est contenant une poudre d'Apriosa Adrian Lanceserven. Je peux l'ouvrir? Il n'y a plus rien, évidemment. Mais ça me sera toujours utile. Un sac magique. Oh, je drop un sac magique. Pourquoi pas, après tout. Bon. Est-ce que tu veux m'engueuler, mon petit Sand? Griffe d'ours sanguinaire, ça va se revendre cher, ça. Qu'est-ce qu'on a comme échec de sort? Oh, bah écoute, hein, si c'est que ça. Bien. Je pense que je n'aurai pas plus d'informations et il est hors de question, Sand, espèce d'abruti, que
je fasse... Que je te fasse désormais confiance. Par contre, les gars, est-ce que vous pouvez, genre, venir... Genre, vraiment arrêter d'être loin. Alors ça, j'en ai plus besoin, d'ailleurs. Voilà. On va se reposer un coup, histoire d'enlever les échecs de sort. Et on va continuer sur cette route. Par ici, on peut explorer un petit peu par là. Et c'est ce qu'on va faire. Mais je pense aussi qu'on peut explorer un peu plus de ce côté. Hop là, je vais sauvegarder, évidemment. Alors, contre quoi je vais me battre, évidemment, toute la faune locale. Ah. Ouais, t'as raison, protège. C'est bien. Ça ne sont que des petits loups. 24, très bien. Et c'est vrai que le niveau suivant va arriver quand même. Il va arriver tout doucement, tout doucement. Et ça, c'est une excellente chose. Il n'y avait pas d'autre coffre ou j'ai déjà tout pris. Mais vu que je suis dans ce bosquet, il faut aussi que je me mette à la recherche de cette personne qui a disparu. Bradbury, c'est ça qui s'appelle? Bradbury, oui. Et donc maintenant je sais que la personne qui nous a remplacé pour tuer les gens de Ember est la même personne qui était tuée par les gobelins. Heureusement qu'ils ont leur pierre philosophe. Leur pierre. Oula, philosophale, pas de mal à parler. Je laisse les gobelins tranquilles parce que j'ai pu éviter de me battre contre eux. Et je pense que leur pierre philosophale, dans tous les cas, aurait été beaucoup trop forte pour que je puisse les battre. On est bien d'accord que je ne peux pas aller de descendre. Ah, il va falloir que je me repère un tout petit peu mieux. Par contre, ce serait sympa. Là, je reviens en arrière. C'est pile poil ce que je voulais pas. On dirait que je ne peux pas descendre de ce côté, donc je suis obligé de poursuivre le chemin. On va poursuivre jusqu'à la grotte qui est au droit, parce que je vais avoir d'autres petits animaux de compagnie. Ah bah oui, oh regardez, ils sont si mignons. Ah, Kara, oui. Bon. Pas grave. Kara, pas un souci. C'était sûr. Eh bien, des dents. Plein de dents, plein de cuir. On va se reposer ici. Au moins pour... Ah non, c'était Sand. C'était Sand. Continuons encore un petit peu. Dans cette direction. Toujours aucune trace de Bradbury d'ailleurs. C'est particulier. Est-ce que j'ai un indice sur où il était? Se diriger vers le bois. Ah d'accord. Le Resident Goon. Donc du coup. Juste au-dessus du bosquet. Ah ah. Donc, au-dessus, ce serait par là. Donc, c'est ici. J'espère que cette personne ne s'est pas trompée. Ah! Des visiteurs. On regarde, non seulement le bois est infesté de gnomes, mais il abrite aussi une impressionnante collection d'insectes. Qui êtes-vous? Je m'appelle Myri, voici ma sœur Gina, nous venons de Lanta, au-delà de la mer des épées, évidemment, Sword Coast. Nous sommes arrivés ici, nous avons décidé de rester pour avoir quitté votre pays. Nous étions trop bien soignés pour le Lanta, c'était un endroit très négligé. Nous avions plein de boîtes contenant des insectes et très parcs. Ok, les autres n'arrêtaient pas de fouiller dans nos affaires, mélanger les insectes. Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce qui vous a amené ici des insectes? La mouche piquante et le charançon à point jaune. Il y en a en abondance dans le bois de crépuscule. Nous avons découvert plein de variantes. Vous collectionnez des insectes. Et ce n'est pas tout, nous avons découvert 4 nouveaux ici dans le bois des crépuscules. Cet endroit est bien plus intéressant. Nous les attrapons et dessinés, nous nommons, travail soigné. Avez-vous été témoin de ce qui s'est passé à Ember? Ember, je connais pas le village d'humain. Ah. C'est là où nous avons eu ce délicieux gigot. C'est vous quelque chose à ce sujet? Nous sortons quasiment jamais du bois, nous sommes occupés par le trail. On disait que l'île pourrait disparaître avec le temps. Regardez-vous. Ember en ruine, est-ce qui veut dire qu'il va y avoir des corps partout sous surveillance, des moutons et des hommes, nous devrions y rendre pour nous présenter un dernier hommage. Vous avez trouvé cette grotte abandonnée? Quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés sur une femme qui vivait ici. Tout à fait, nous a confié cet endroit, puis elle est partie, nous a raconté que sa famille avait disparu ou avait été tuée. Ah! Je peux y faire un tour? Ça nous embêterait, nous avons... Je pense que je vais jeter un œil. Écoutez, je ne ferai rien. Je vous assure que je ne ferai rien de dangereux dans cette grotte. Le bosquet, vous avez rencontré, elle semble étudier les insectes du haut du crépuscule. J'étudie la grotte, je vais juste regarder. Je ne ferai rien d'autre. Oh, c'est une jolie caverne. Oui. J'espère que... Ah, bah oui. Des petits loups. Des petits loups tout partout. Oh, s'il n'y a que des loups, c'est pas du tout un problème. Non, Kara, c'était pas la peine. Par contre, cette grande salle qui s'ouvre à moi, ça ne m'inspire évidemment pas du tout. Je me charge de lui. Des loups sanguinaires. S'il n'y a que des loups. Ah non, non, non. Hop là, toi. On vient ici, mon gros. Ah, c'était un. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la texture qui a décidé de d'éternuer un coup. Je suis sûr que c'est la texture. Il va rien se passer. Ah, et voilà le dernier. Tu vas m'attaquer? Bien sûr que tu vas m'attaquer, toi. Oh! Un cadavre. Alors ça, c'est problématique. Un tas de voilà. J'ai un peu de mal à parler en ce moment. Oh, ce cadavre est celui du pauvre... Oh, merde. On ne voulait pas faire ça, je vous l'assure, mais le sang, l'odeur, on a été attiré. Ah, non. Oh, putain. Évidemment. Évidemment. Vous êtes des loups-garous. Qui a tué cet homme? Nous reviendrons sur la chasse aux moutons lorsque nous avons découvert notre grotte en train de taper notre mur dans le noir. Nous restons les humains, vraiment le chassons. Le sang chaud entre nous. Dans... Bon, eh ben, les gars. Et... Ah oui. Bon. Ah oui, c'était Sand. Ah, il y a un level up qui vient de se faire. Bon. Je m'en occupe juste après. Allez, vous pouvez le faire. Bon, déjà, toi, tu m'énerves beaucoup avec tes dégâts. Ensuite, vous deux. Gila, bientôt terminé. Bien, ensuite. Non. Renversement. Je m'occupe de... Allez-y, oui, parfait. Allez. Bien. Je prends le cuir et surtout ces saletés de loup-garou. Dommage. Gilin.
collection d'insectes. Je prends ça et Mimi, une amulette. Ouais, je vais la prendre aussi. Bon, mon cher Bradbury. Ah là là, dommage, je suis navré. Mais alors pourquoi un tas de détritus? Robe d'excellence de l'ordre ancien? Qu'est-ce que c'est que ça? Bradbury, je suis intrigué par toi. Bon. Très bien, ça va falloir que j'aille dire la mauvaise nouvelle, hélas. Le devoir, ça c'est bon. Ça par contre, il va falloir que j'y retourne. Donc j'en ai terminé avec le bosquet pour le moment. Mais, avant de quitter cet endroit, il est temps quand même de procéder au niveau suivant. Et oui, Roublard, alors je vais quand même mettre pas mal de points en bluff. Parce que c'est ce qui va me sortir. Attendez, non, peut-être dans la diplomatie plutôt. Sabotage, évidemment, plus de diplomatie. L'escamotage, évidemment. L'acrobatie. Ah, alors qu'est-ce qu'on me recommande? Esquive extraordinaire. Classe, condition, sort, ça doit être passif. Oui, et ben je prends ça. Plus 9 et attaque extraordinaire. Esquive extraordinaire, attaque sournoise, parfait. Mon cher Kelgar, toi, on va te mettre les deux points. Plus 15 points de vie. Voilà. Sand, alors, magicien. Ah, c'est vrai que tu as des sorts. Je n'y avais pas pensé. Deux sorts. Alors, épée de Mordenkainen. C'est vrai que j'ai voulu t'as des sorts, mais je pense jamais y jouer avec toi. Du coup, ça fait zone d'effet. Le lanceur invoque une puissante ordre casquée dotée d'une épée qui le sert fidèlement et forme éthérée. Devient éthérée, aucune créature ne peut le détecter. C'est parfait. Oh là là, c'est très bien. Tu veux quelque chose ? Chandra. Très bien, pas plus pas moins. Et ma chère Kara, ah, quel est ton prochain sort? Fléau majeur des projectiles d'Isaac. Un projectile énergétique, un par niveau de lancer de sort, maximum 20, très bien. Appareil choisi une cible hostile au hasard. Oh là là. Chaque projectile inflige 3d6 de dégâts. Oh, mais c'est parfait. C'est parfait que tout cela. Impeccable. Eh bien écoutez, je pense que nous avons tout. Nous pouvons retourner à Porlast et avertir, hélas, que Bradbury est parti. Que notre cher Edgun me doit quelques petites explications. Et normalement, je devrais être en possession de tout. Ah oui, il faut aussi revenir voir Nia. Et je devrais être en possession de tous les éléments. Pour Mino Santé. Est-ce qu'ils avaient quelques petites choses là? Ils n'avaient rien. Dans ce cas, on va ressortir rapidement. Donc, si je vais refaire une déduction encore une fois, et j'espère que ce sera la dernière histoire d'être sûr, la personne qui a pris mon apparence grâce à l'aide de la dryade qui lui a donné une potion de métamorphose a tué toutes les personnes d'Ember, devait en retour prendre la pierre philosophale qui était gardée par les gobelins dans les grottes juste en dessous, mais n'a pas pu et s'est fait tuer par ces mêmes gobelins grâce à la pierre philosophale qui leur donne de la magie. Marcus a tout vu, donc il va jouer dans mon sens et du coup ça va être une peur pour mieux santé. Par contre, Allen malheureusement ne pourra sûrement pas m'aider. Elguz, et c'est celui-là qui va être, je pense, assez compliqué à jouer en ma faveur, mais il y a énormément de preuves que j'ai pu récupérer, et j'espère que ces preuves seront suffisantes. Je vais quand même refaire un tour à Ember, histoire d'être sûr de n'avoir rien oublié. Normalement, je n'ai rien oublié. Ah oui, il n'y a que des chats. Il n'y a que des chats, pauvres chats. C'est vraiment étrange d'ailleurs.
N'y a rien d'autre, n'y a rien d'autre. Bon. S'il n'y a rien d'autre, alors dans ce cas, retournons à Port-Last.